Eh bien, bonjour les amis, super content de vous retrouver. Donc là, on va travailler un petit peu sur les tomates. Regardez l'avancement un peu des tomates. Là, ici, c'est de la stupice. C'est la stupice que nous avons semée, je pense, le 10 janvier. D'ailleurs, certainement ensemble. Et là, nous sommes prêts pour le repiquage dans des plus grands pots, vous voyez. Et là, on va y ajouter bien sûr une terre encore plus riche pour leur croissance. Alors, Stupi, c'est une variété de tomates très très précoce qui nous donne des tomates un petit peu grosses comme des œufs de pigeon. Et l'avantage, c'est que, on va dire, début juillet, vous mangez déjà des tomates, surtout en serre. Après, dans le jardin, c'est un petit peu plus délicat. Donc voilà. Moi. Ce que j'ai fait, j'essaye d'améliorer le maximum cette terre. Alors, j'ai été chercher vraiment pas mal de compost. J'ai déjà réempoté un petit peu. Mais là, vous voyez, c'est du compost avec de nombreuses feuilles, ainsi que un peu d'herbe qu'on cassait, là, un petit peu d'herbe de l'année passée. Voilà, qui est déjà bien, bien mûre. Que j'ai volontairement un petit peu cisaillé, vous voyez, pour dire qu'il soit pas trop, les feuilles soient bien mélangées avec tout ce qui est herbe, ça fasse pas trop trop pâteux, et que je vais ajouter à ma terre de jardin, tout simplement. Alors vous voyez, là comme ça, on aura une terre super bien riche. Alors là, j'espère qu'on aura de super bonnes reprises. Je pense qu'on aura une terre vraiment pas mal. Alors voilà, et je procède à un petit mélange. Alors je vais essayer de stopper la vidéo pour que ce ne soit pas fastidieux pour vous, hein, les amis. Alors voilà, les amis. Alors vous voyez, j'en ai déjà fait un petit peu, là c'est tout de la stupice, là, elle est belle, hein? Elle est belle cette variété de tomates stupices. Alors, on prend bien sûr des pots diamètre quasiment doublé. Hein, je commence toujours par en mettre un petit peu dans le fond. Et ensuite, après, je prends délicatement. Alors ça s'adresse à ceux qui ont pas beaucoup d'expérience. Enfin bon, bref, c'est toujours super intéressant comment font les autres copains dans le jardin. Mais ça peut toujours aider de voir un petit peu comment les autres personnes font. Voilà, je place dans le petit pot pour que ça soit quasiment à la surface du pot, ma super bonne terre. Alors je prends de la terre toujours dans la serre parce que depuis des années je mets énormément de compost, un peu de potasse aussi comme je vous dis toujours. Enfin bref, tous les éléments pour avoir un super bon de super bons légumes. Voilà, on essaye d'être le plus délicat possible. Et notre première. Alors, vous voyez, la stupice, elle a des feuilles assez allongées. C'est pas craquelé comme certaines cœurs de bœuf. C'est carrément des feuilles légèrement. Voilà, on arrive à quelque chose qui est à peu près correct. Voilà, bah. Voilà notre pied. J'appuie un petit peu. Voilà, c'est ok. On va le laisser tranquille. On y fera un petit arrosage. Un petit arrosage. Et voilà. Je vais vous faire voir la deuxième. La deuxième, c'est encore une stupice. Ah, je vais vous prendre peut-être une cœur de bœuf. Vous verrez un peu la différence au niveau des feuilles. Alors vous voyez là la différence entre la cœur de bœuf et la stupice là. Stupice qui est ici,
La cœur de bœuf, elle a des feuilles un petit peu, comment je pourrais dire, là, en étoile, là, hein, tout simplement. Hein. La stupice, variété très précoce, la cœur de bœuf, c'est un peu plus long, on va dire, à venir. Hein. Donc voilà, je vous ai fait voir un petit peu le rayon potage. Ceci dit, regardez, j'en ai déjà fait quelques-unes. Ce sont toutes des stupices. Hein. Et voilà, bon, bah, après, ça va partir en véranda. Et sachez que elles seront mises en véranda jusqu'à mi-avril. Hein. Voilà, mais là, au moins, on aura une super base de départ. Voilà, puis, bon, elles vont vachement grandir, mais on peut absolument pas les mettre dans le jardin ni ailleurs, c'est vraiment impossible. Il fait beaucoup trop froid, donc il va falloir les ménager surtout. Hein, on a le temps jusqu'à la mi-avril parce qu'autrement on risque la gelée. Je vous dis à bientôt. J'espère que chez vous, alors si vous voulez démarrer des tomates là. On va arriver début mars, là, bah, vous êtes bon d'ici 15 jours, 3 semaines, là, pour mettre dans votre jardin, si s'il n'y a pas de serre, il n'y a pas le feu. Hein. Il n'y a pas le feu, même mi-mars, c'est bien. Tranquillement, vous faites vos graines, vous semez vos graines vers la mi-mars, là, et vous ferez exactement la même chose avec les rayons potage. Vous pouvez retrouver les anciennes vidéos. Je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo sera à peu près belle. Et vous avez bien compris.